Eh bien, salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un 9e let's play de Spider-Man. On continue l'histoire, on est habillé en Spider-Punk, ça jette, on est parti. Il faut pas que j'oublie d'aller voir cette boîte louche dont Yuri m'a parlé. Eh ben, on y va tout de suite. Et comme je le disais, un joli costume. Un punk, les petites crêtes sur la tête. C'est à 2 km, on va peut-être prendre le métro, hein. Vous en pensez quoi? Bon, on va prendre le métro. On se retrouve là-bas. Ah, Marie-Jeanne, j'arrête pas de penser à toi. Faut que je te repêche chaud, y'a pas moyen. Le métro, c'est par là. We got this. La mission est juste à côté de moi, mais je crois qu'il y a un pigeon dans le coin. Il faut que j'attrape tous ces pigeons. Les pigeons d'Howard ? Ah, c'est parti ! Je t'aurai, petit pigeon. Ce pigeon connaît mieux la ville que moi ! Eh ben ouais. On va la voir, on va la voir, on y est presque. On l'avait presque. Au poil de fion, au poil de fion. Et c'est pas évident, hein. Voilà, on l'a. Allez, cette fois c'est la bonne, on part faire cette mission. Sauf que... Je peux pas laisser les démons tuer les types de sable, aussi antipathique soit-il. Si vous voulez pas qu'on s'acharne sur vous, évitez de faire exploser la ville. Oh les enfoirés, je m'y attendais pas celle-là. Tiens, bouche d'égout. Ok, ok. Ils se fâchent, les enfoirés. Vous enfilez vos masques quand vous arrivez? Ou alors vous conduisez comme ça? Il en reste où? Il en reste où? Ah mais tout ça s'en est. Bougez pas, bande d'enfoirés. Ça c'est bon. Mais y a plus personne. Ah si. Voilà, là c'est torché. La ville devient une vraie zone de guerre. On est à Hell's Kitchen. C'est pas le quartier de Daredevil, ça. C'est militaire, on dirait. Bizarre. Spider-Man, alors tu as trouvé l'un de mes points de géoloc? Qui êtes-vous? Mauvaise question. Il fallait se demander, peux-tu stopper les bombes que j'ai posées? L'homme énigmatique a des points de géolocalisation aux quatre coins de la ville. Ok, ben ça y est, on sait comment débloquer les points de défi, les amis. S'occuper de ça.
16 000 score minimum, niveau ultime, niveau spectaculaire et niveau incroyable. Eh ben on va tester. Équipe sur place ici, le central de sable. Quelle est notre situation à Hudson Yard? Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite. J'ai pas beaucoup de temps. Allez, jamais 203. C'est mal barré. Je dois trouver la dernière. De la perfection. Yes! On a réussi. Bonus de toile. Alors, on va rester là pour l'instant. Hein. Voilà. 3 essais, c'est bon. Bon travail pour les bombes. Mais tu insistes trop sur ton lancer. Ça affecte ta précision. C'est quoi votre espèce de jeu pervers? Les jeux, je laisse ça aux enfants. Je suis un professionnel. Et on me paie en tant que tel. Je pense que votre client gaspille son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent, et j'ai beaucoup appris en t'observant. MJ, t'as trouvé quelque chose sur Isaac Delany? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel, Delany? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. Sérieux? Bon, bah on va le faire. Moi, je suis sûr que c'est Taskmaster. Taskmaster, je suis arrivé. Ici le central, comment ça évolue dans le quartier de Longacre? Les démons attaquent l'avant-poste Roméo. Envoyez des renforts. On va peut-être reprendre le métro, hein. Surtout qu'il y a un trophée qui se débloque si on prend 5 fois le métro, les amis, c'est toujours bon à savoir, hein. Salut, t'es qui toi? Bah, je suis le vrai Spider-Man. C'est con parce que c'est moi le vrai Spider-Man. Non, je te jure, c'est moi. Allez, here we go! J'ai eu un appel de Tante May. Peter, j'ai parlé à la mère de Miles. Et elle est ravie qu'il puisse travailler ici. La pauvre est en deuil, mais elle essaie de rester forte pour son fils. Elle a besoin de temps pour se remettre et lui a besoin qu'on lui montre que la vie vaut encore la peine d'être vécue. C'est adorable d'avoir proposé ça, Peter. Ben aurait été fier de toi. Ok, bon, ça c'est fait. Fête d'Halloween. Elle n'a pas besoin de me changer. Delany est déguisée en l'homme le plus grand rival. On va découvrir lequel. Eh ben, on va chercher. J'adore. La déco, tout ça. Tout le monde porte un costume. Mais congénère. Ah, un Spider-Man. On va bien regarder de partout. Delany, hein. Est là, quelque part. Je dois le retrouver avant lui. Faut qu'on trouve l'homme lézard, le faucon et Mysterio. C'est un des trois. Scorpion. Excusez-moi, vous êtes le docteur Delany? Oh, Spider-Man, mon ennemi juré, tu ne m'auras pas cette fois. Oh non, de la fumée, c'est mon seul point faible avec les petits couteaux.
Oh, le con. Tu ne peux m'échapper. C'est quoi ton problème? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque. Je dois trouver le docteur Delany. Il est là quelque part à cette soirée. T'es qui, toi? Votre gentil voisin, Spider-Man. Petit comique. Bon, elle nous a pas cru. Comment grimper? Qui jette des sucreries et pète le docteur Delany. Il faut que je trouve comment monter. Hey, oui. Par ici! Je peux pas utiliser mes toiles. Comment je vais pouvoir monter? On va éviter de faire des toiles. Et pour toi! Et pour toi! Comment on grimpe là-haut? Je cherche Isaac Delany. Je crois qu'il est sur la piste de danse. Lui, là. Le lézard avec la blouse blanche. Sympa, le costume. Oh, tout ce qu'il y a comme Spider-Man. Mais c'est Spider-Minus. Et vu que je suis l'un de tes ennemis jurés, va falloir m'affronter. Putain, alors, Spider-Mauviette. On a peur de ma grosse corne. Hey, mais qui? Mais hé hey, mais non. Mais ça va, oui. Hé hey, tu sors, tu sors. Faut lui me racler, Spider-Man. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Oh, la vache. Mais bon, arrête, la vache. Hé, Spidey, hé. On doit suivre un mec avec une grosse queue verte. Calmez-vous. Dites-moi simplement ce que vous voulez. C'est une blague, non? C'est des faux flingues. Oh, va t'asseoir. Relâche-le. Tout le monde va bien? Ouais. Parfait. Eh ben... joyeux Halloween! Très bien, mon petit Spider-Pot. Et pétage de citrouille. Ouais, il y en a de partout, c'est rigolo. Un éclairage d'ambiance? Ça c'est fait. Je peux en pêcher aux dots comme ça? J'aimerais bien, sans déconner.
personne. Où est-ce qu'ils ont emmené Delany? Il s'est fait avoir par le piège. Gavage. C'est le docteur Delany. Oh, j'adore cette phase. Où est-ce que vous m'emmenez? C'est une sacrée fête d'Halloween, ça. Hein. Qui êtes-vous? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire de score. Comment le savez-vous? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. C'est terminé, Lee. Bon, on dirait plutôt que ça commence. Ça a l'air de fatiguer. Sans... Non. Docteur Morgan Michaels. Oh la vache! Du monde. Oh là. Alors eux ils aiment pas l'électricité je crois. Il voulait quoi, lui? Le compte est bon. Je dois trouver Lee. On se détend. Par là. Oh, ça pue. Il faut que je les empêche de s'entretuer. Tiens la citrouille. Vous allez pas me croire, mais je fais ça pour votre bien. Gueule. Excusez-moi. Oh oh. Non, pas encore lui. Que Lee
a fait à ces gens? Si ça peut vous consoler, ça m'a pas fait plaisir. Où est-ce qu'on lui a mis? Yuri, j'ai besoin de vous. On nous a signalé des coups de feu à l'ESU. Ouais, c'est moi. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez le docteur Morgan Michaels. C'est la cible de Martin Lee. Bien reçu. Spider-Man, qui est ce docteur Michaels? Je dirais que c'est le chercheur à la tête du projet Souffle du Diable. Vous l'avez trouvé? Oui et non. Sable prétend l'avoir mis en sécurité dans un endroit secret en ville. Mais il refuse de m'en dire plus. Je croyais que vous bossiez ensemble. Moi aussi. Ok, j'ai une idée pour le retrouver. Je vous dirai si ça porte ses fruits. Un point de compétence en plus. Hey, t'as trouvé le docteur Delany à la fête? Ouais, mais Lee aussi. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Lee l'a corrompu, il a poussé à se suicider. C'est horrible! Il faut qu'on arrête ce type. On va y arriver. Avant de mourir, Delany a donné un nom à Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Qui c'est? Je sais pas exactement. Mais je pense qu'il travaille sur le souffle du diable. T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé? Oui, écoute ça. Il y a quelques années, Osborne a demandé à Fisk de construire un laboratoire sans en informer les autorités. Un laboratoire secret? Pour le souffle du diable? Si c'est aussi dangereux qu'on le pense, ce serait logique. Et où est ce labo? C'est pas précisé. Osborne a obligé Fisk à effacer toutes les traces. Tout ce que j'ai, c'est des paiements du compte personnel d'Osborne à la société de construction de Fisk. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborn. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Je doute qu'il accepte de te dire quoi que ce soit. Je comptais pas lui demander. On y est presque, 900 mètres. Norman Osborn, c'est une saleté de façon. T'es obligé qu'il soit mêlé à tout ça. Équipe de sable, ici Centrale. Comment tu te présentes du côté de la gare? Centrale, les démons passent d'assaut le poste de contrôle Zulu. Il y a beaucoup trop de balles qui sifflent dans les parages. Je voudrais aborder le sujet d'Halloween. C'est sympa pour les enfants de se déguiser en cow-boy, en astronaute, en ballerine et de partir à la chasse aux bonbons. Mais cette mode chez les adultes de glorifier Spider-Man en se costumant comme lui ou ses semblables, surtout dans le contexte actuel, ça me débecte. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, Gino du Bronx? Bah, je comprends ce que vous dites, mais ma copine s'est trouvée un costume sexy Spider-Girl. Et ça, franchement, ça pimente vraiment nos soirées, si vous voyez ce que je veux dire. Torcher ça. Bon, grand. Des fusillades sur des postes militaires. C'est pas le New York qui m'est familier. Il y a un pigeon dans le coin. Pigeon ciblé. Pigeon ciblé et balai. Pigeon en ligne de mire. Et on l'a eu. Oh, Spider-Man, vous êtes un prince. Je viens de trouver Vanessa dans la volière.
J'adore ces noms. Est-ce que Sandra est contente de les retrouver? Eh bien, en fait, elle n'est plus des nôtres. Vous comprenez, le cancer. Howard, je suis désolé. Oh, ça ne fait rien. La vie, c'est pas fait pour pleurnicher. C'est la première chose qu'elle m'a dite quand on l'a diagnostiquée. Ça me fait du bien de m'en rappeler, de temps en temps. Tâchez de retrouver les autres, d'accord? Ces oiseaux représentent beaucoup pour moi. Merci, Spider-Man. Hey, je t'en prie, j'étais sûr qu'elle était claquée, sa femme. Qu'elle s'était barrée. Beau choix. Ok, par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Je peux pas entrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Mais s'ils me voient, ils vont tout boucler en moins de deux. Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Les câbles du réseau. Il me suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. Et voilà, un module de sécurité. Apparemment, il y en a quatre comme ça autour du bâtiment. Ça devrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe? Équipe de sécurité, répondez. Équipe Sable Alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien sûr. Gardez un œil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère... Eh, ça pousse. Chaud, 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 cacao. Toutes les équipes de Sable, on a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu, on poursuit l'inspection à l'extérieur. Juste là. Voilà le deuxième module. Quoi? À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Déclenchement du protocole Delta. Sérieux, tout le monde a des drones aujourd'hui? C'est une blague? Équipe Sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. Ok, plus que deux modules. À toutes les équipes de Sable, attention. Présence potentielle d'un intrus sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Bien reçu, centrale. Si ça, c'est pas de l'infiltration, sans déconner. Te voilà. Saloperie. Il y a encore un sous-système qui nous a lâché. Il me faut une équipe pour balayer le 85e étage extérieur. Bien reçu, centrale. L'oiseau arrive. Je dois y aller. Salut, MJ. Je suis au milieu d'un truc, là. Je vais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Sedgwick. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Bellamy. Alors, il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. La blague, j'ai chuté. Je maintiens R1. C'est quoi ce bug? Super. Maintenant, je peux accéder au bureau de Norman. Pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage? Pas encore. Monsieur Osborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Ah,
Rien d'intéressant à voir là. Attendez, je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces, Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk ? Quel statut de Neo ? De quoi est-ce que vous parlez ? Le statut Neo de la salle d'enchères. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MJ a trouvé. Qui a le fichier ? C'est nous, Norman. Mais ça nous en dit pas assez. D'où mon entrée par effraction. Passablement illégale, certes, mais moralement acceptable. Espèce de sale ordure ! Vous bluffez ! Norman, on sait que vous avez construit un labo secret pour le souffle du diable avec Fisk. Mais on sait pas encore où il est, ni ce que Michael sait avoir là-dedans. Pourvu que votre ordinateur nous en apprenne plus. Bingo. GR-27. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels, mais l'emplacement du labo est censuré. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Mais ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques. Mucoviscidose, Huntington ? C'est pas croyable. C'est flippant. Derk. Waouh. Le GR-27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies, mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par Lee. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Yes. Alors, Pete, quoi de neuf ? MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sab n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Standish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre là. Le joindre ? Ça grouille de garde là-bas ! Comment tu comptes t'y prendre ? Très très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de sable ? Ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. Mais on ira à Central Park dans le prochain Let's Play, les amis. On va s'arrêter ici pour celui-là. Regardez, c'est juste à côté, en plus, hein, on se retrouve dans pas longtemps. Je tente ça vite fait et je vous le publie. Pensez à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. C'était Loul 5100. Ciao, ciao, ciao.